Christophe, t'es encore dans le match, hein. Ouais, on était pas loin, mais bon, comme l'a dit Sam, on a zéro casse d'essai. On est venu ici pour relever la tête, on l'a relevé, c'est pour ça qu'on est fiers des garçons. Ils ont montré une volonté de faire, et voilà, c'était aujourd'hui, c'était, il fallait se faire du bien à la tête. Et c'est l'objectif rempli. On les entend se parler derrière nous, ils sont motivés, ils ont conscience d'avoir sorti le match qu'il fallait quand même. Hein. Oui, on sort le match qu'il fallait, après pour gagner à l'extérieur, il faut faire un peu moins de fautes. Voilà, on a donné 12 points, hein, une fois de plus. Voilà, ça se joue sur des détails. Quand même. On pouvait accrocher le match d'une. Bon, voilà. Après, on va pas faire les fines bouches. Hein. On prend un point ici. 9 points sur le premier bloc, j'aurais signé dès le départ. Hein. Voilà. Donc maintenant on va bosser, on a Angletta qui va venir, on a Saint-Jean qui va venir en second bloc. Et Albi au milieu. Voilà. Et on va se bouger pour y arriver. Vraiment, je crois qu'on était à la hauteur de gagner, on a mérité quand même. On venait de perdre le derby d'une façon qui vraiment nous a laissé vraiment des mauvaises sensations. Et on a passé une semaine dure, on avait un sentiment de tristesse avant de le aujourd'hui. On n'a pas réussi à gagner, mais je crois que l'état d'esprit de l'équipe c'est là. On l'a et on va se relever. Et on a une équipe, un bon effectif, un groupe pour faire quelque chose cette année. C'est ce que vous êtes dit dans le cercle. Oui, c'est ça. Je crois qu'on va se relever de cette défaite et on va attaquer les blocs qui arrivent avec beaucoup d'envie et beaucoup de motivation. Il est très difficile ce bloc qui arrive. Vraiment, oui, ça va être très dur. Mais c'est le haut du tableau, quoi. À la maison, on est comme on sait comment on va être et ça nous va encourager pour vraiment avoir des résultats qu'on attend. Déçu parce que je pense qu'il y a la place pour autre chose. Après, on a été hyper réaliste. On a pris les points et marqué quand il fallait. Maintenant, on est tombé aussi dans leur jeu, c'est-à-dire jouer une passe, frontement. Et donc forcément, on est frustré. Après, eux, ils ont fait le match parfait. Ils ont été aussi efficaces et bravo à eux, mais c'est dommage parce qu'on doit faire autre chose. Ouais. Il y a quand même un point de prix, il est important, c'est là, sur ce bloc de 4 matchs. Ouais, bien sûr, tous les points sont bons à prendre. Voilà, on ne fait pas la même erreur qu'à la maison, on craque à la fin. Donc, ouais, bien sûr, tous les points sont importants et comme je dis, on doit faire mieux. On doit faire beaucoup mieux. Il fera mieux le prochain bloc. Hein. Ouais, on a des grosses réceptions à Cazeneuve, on a Anglette qui va arriver qui est un gros morceau. Et ensuite, ouais, on a un groupe qui bosse bien, on va se remettre au boulot dès mardi, la semaine prochaine pour attaquer la meilleure des façons. Un gros combat, on n'a pas une occasion d'essai, donc on s'en tire quand même bien, il y a 12-9. Après, c'était un mur en face. Notre jeu, c'est un jeu de vitesse et on recule à chaque impact, donc c'était quand même compliqué. Bon, mais c'est bien, on tourne avec un point là, on a 9 points. Le bloc, il est quand même réussi. On a 2 victoires, 1 défaite et ce point de bonus, donc bon, c'est quand même satisfaisant. Et maintenant, il y a Anglette. Et on reçoit Anglette, il va falloir jouer et être sérieux aux entraînements et voilà, pas perdre la case de l'avance, surtout. Énorme combat. Oui. Parce que bien, on est content de ramener quand même un point, même si ça aurait pu être deux. Une équipe, personnellement, j'ai trouvé très forte, très complète de Marmande. Pour un promu, c'est impressionnant. Et ben voilà, on voit que quand on y met le cœur, comme on a mis lors des deux premiers matchs, on a notre visage de calme dedans. Et ça fait plaisir. Quoi. Et là, on se retrouve aujourd'hui. Quoi. On s'est retrouvé sur les valeurs du rugby qui nous ont manqué la semaine dernière. Donc très dur, mais aussi très fier d'avoir pu ramener ce point qui, je pense, comptera. Bon, tout le monde a déjà la tête tournée vers ce bloc qui arrive. C'est un bloc de fou. Là. C'est le haut du tableau qu'on va jouer sur 3 matchs. Hein. Ouais. On y passe. Déjà, on va essayer de bien récupérer cette semaine. Parce c'est que, sûr. J'ai été éprouvé ce mois de septembre, mine de rien, 4 matchs de haut niveau. Après, on va basculer vers ce bloc avec les deux équipes du Pays Basque qui sont très fortes. Notamment, je pense à Albi et Saint-Jean-de-Luz qui sont les deux meilleurs de la poule pour les stars. Donc, voilà, on va préparer correctement, essayer de se remettre la tête à l'endroit et puis faire honneur à Cazeneuve et lui faire plaisir.
c'était important de rebondir après cette grosse défaite à la maison. Donc ça nous tenait à cœur vraiment parce que voilà, on est tombé de haut la semaine dernière, on a fait un non-match. Ouais. Voilà, ici on revenait humblement, on voulait prendre des points sans vraiment retrouver des valeurs. Quoi. On a eu encore quelques petites imperfections, mais au moins dans le combat on s'est retrouvé. On a fait moins de fautes, on a essayé de mettre des choses en place. Dans l'intention, on y était, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et Sam disait, vous disiez dans le cercle, aujourd'hui c'est un point de gagner. Parce voilà, qu'on sait le gagner ce point. Tous les points compteront jusqu'à la fin. Voilà, on est en opération c'est commando clair. Jusqu'à la fin. Ici c'est un point, voilà. C'est important de repartir avec quelque chose. Maintenant, un peu de repos. On attaque un autre gros bloc dans une semaine. Voilà. Et encore du boulot. On continue.